trois fois, là on en a 5000. Ouais, parce qu'il faut brasser. Et c'est là-dedans que tu peux avoir 50 à 60%. Voilà, de... ouais. On les boit après, on les débarrasse. Ah ben, elles sont ouvertes. De toute façon, ah ouais. Là, déjà, on le voit là. Tu vois, là, on en voit là qui sont ouvertes. Ah. On en voit qui sont ouvertes. Là, on voit, elle est ouverte, on voit l'intérieur, la nacre. Et on sait toujours pas ce que c'est exactement. Beaucoup de choses. L'agriculture, peut-être. L'agriculture, ouais, peut-être. Quand on a beaucoup de pluie, les années où on a beaucoup de pluie, on s'est aperçu qu'il y avait plus de mortalité. Donc je pense que tout ce qui est les nitrates, les pesticides, tout ce qu'ils mettent, ça doit laver les terres. Ouais, ouais, ouais. Et à partir de là, bon, ça coule à la mer, quoi. Donc si elle est blanche, c'est qu'il n'y a pas longtemps. Après, au bout de 15 jours, 3 semaines, la noircie, c'est le fond de la côte. Là, celle-ci, elle est morte il y a, allez, une petite dizaine de jours. Par jour, on sortait des palettes complètes de coquilles, hein, mortes, par jour. Hein. Je croyais pas qu'on en avait autant. C'est pas, lève le pic, Adrien. Tu lèves les deux pics. Tu passes pas. Là, c'est bon. Et tu les fais glisser par ici, par devant. Quand on retourne les, quand on retourne les poches, on les prend, on les fait comme ça là.
cette année, c'est une année exceptionnelle de naissin. Ah oui, oui. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Moi, je dirais, il y a au moins, moi que j'ai pas connu ça, au moins 7-8 ans quand même. Ah oui, autant de naissin. Ouais. Par contre, il y en a partout des petites, alors, ça se colle partout, pas que sur le capteur. Il y a moins de crèves sur le naissin. Alors là, le travail qu'on va avoir à faire, toutes les huîtres qu'on va vendre à Noël, il n'y a pas de souci, même s'il y a des petites dessus, ça va partir à l'avance. Mais celles qu'on ne va pas pouvoir vendre cette année, qu'on vendra que l'année prochaine, il va falloir qu'on les trempe dans un bac d'eau chaude à 90 degrés pendant 3 secondes. Pourquoi ça? Là, regarde, par exemple, expliquer celle-ci. Mais à quoi ça sert pour vous? Attends. Celle-ci, je vais la vendre cette année. Ouais. Donc même si tu as une petite dessus, ouais, celle-là, là, ça ne gêne pas. Ouais. Là, là, bon, ben, celle-là, ça risque rien. Ouais. Bon, celle-ci, il faudra qu'on la décolle. C'est une grosse de l'année dernière. T'as celle-là. Super produit. J'arrive à faire des huîtres finies. Ouais. Et ben ça se colle partout les huîtres. Ouais. Ça va se coller dessus le bateau, ça se colle sur les autres huîtres, ça se colle sur un bout de bois, ça se colle partout. Ouais. Pas spécialement sur nos capteurs. Bon, c'est bon signe pour le métier, quoi, disons. C'est signe que les huîtres sont en bonne santé, ouais, s'il y a du naissin d'huîtres. Non, je le fais encore à l'ancienne. Je mets des agrafes en inox. Pour que ça fasse carrément un petit casier. On les fait toutes nous-mêmes, on les achète ouvertes au debout, ouais, et on met des agrafes comme faisait mon père. Des cols du capteur qui font à peu près 6 mm, des huîtres. On les met dans des sacs plastiques de 4 mm. Et au fur et à mesure que lui grossit, on met 4 mm, 6 mm, 9 mm. Dès qu'on peut les décoller des capteurs, moi je les mets dans les sacs plastiques. Et après en finition, là c'est du 18 mm. Là c'est en finition. Là. Et après encore la pousse en clair éventuellement. Et après la pousse en clair, mais moi j'en fais pas, j'en fais très peu pour moi, quoi. Bah après en finition, on les ramène. La pousse en clair, ça se fait au mois de juillet. Là, ça serait pas rentable pour toi. Après j'ai pensé en faire pour mes marchés. Oui. Mais c'est du boulot en plus. Hein. Bah oui, parce que la pousse en clair, ça se fait l'été. Oui. Et l'été, nous avec le resto, on est. De choses hein, qui faisait pas autrefois, c'est les brasser les tables en fer. Ça se faisait pas ça. Ça c'est le plus dur hein, aujourd'hui. Mais que ça soit la petite entreprise. Ça se faisait pas. Parce qu'il y avait pas très peu de tables en fer. Ouais. Sur quoi bah, beaucoup sur le sol. Ouais. Beaucoup à plat. Alors, mais bon, ils pêchent à la fourche. Ouais, d'accord. Tout à la fourche. Hein. Oui, c'est pas le débat. Ah non. Mais je pense que je préférais pêcher à la fourche, ouais, que de charger les tables, ouais, en fer. Ça pèse une table 20 kg. Quand on fait quand on ramène 3000, ouais, par an, tu comptes. Ça fait les biceps. C'est pour ça que j'ai mal partout, j'ai mal aux épaules. Parce que bon, faut aller doucement. On est obligé de taper dessus.
culture qui a été lancée il y a une petite dizaine d'années. Dans une machine avec des ailettes qui vont faire vibrer les coupelles plastiques, toutes les petites tombes.